Sorner accompagné du BM-17 et du Goliath. Pourquoi le Goliath? Parce que le BM-17 passe nulle part. Oui, il est puissant, mais il ne passe nulle part. Du coup, le... J'ai oublié son nom. Goliath, pardon. Petit trou de mémoire. Le tract. Du coup, voilà les amis. Du coup, on est parti du coup pour faire... continuer la mission. Non, je vais câbler juste pour ça. Il fallait pas analyser ou un truc comme ça qu'ils m'ont dit un truc à la con. Attendez. Ouais, je veux que je revienne là. J'étais de ma gueule. Je sais pas si je vais vraiment jouer ou plutôt péter un câble. Bon, on passe à Goliath du coup. Je vais le sortir de... Les amis, ça y est. Bonne entrée à tous, je sais que vous êtes tous rentrés du coup en cours, tout ça. Moi non, parce que je suis en stage. Et certains de mes amis trouvent que c'est bâtard. En même temps, mes amis sont encore au collège. Enfin, ceux avec lesquels je joue, bien sûr. Pas mes amis que j'ai en cours, parce que sinon c'est illogique. Mais ceux avec lesquels je joue dans les CNRP et tout, trouvent ça bâtard parce que eux sont encore au collège. Bien sûr, à part deux ou trois, mais sinon voilà. En plus, ce qui est marrant, c'est que Lucas et moi, nous avons les mêmes semaines de stage toute l'année. Du coup, lui et moi, nous sommes en stage au même moment. C'est franchement une très grosse coïncidence parce que lui, il est en terminale et moi, je suis en première. Pourquoi il est en terminale, les amis? Je vais vous expliquer, parce que lui, il fait un CAP. Moi, je suis un bac. Du coup, lui, si ça fait seconde, terminale. Moi ça fait seconde première terminale. Du coup voilà. Après là je viens de tout vous expliquer. Mais bon, c'est pas grave. Les amis, voilà. Ainsi les amis, bon, j'y pense. Vidéo de mercredi, vidéo sur Fortnite. De la nouvelle saison. Retour du chapitre 1. Ou plutôt on est en chapitre 1, saison 5, si je ne me trompe pas. Et pendant un mois pile, nous allons avoir 5 saisons qui vont défiler. Du coup, on a la 5. Normalement, c'est une saison par semaine ou je sais pas quoi. Bah non, c'est pas possible. Bah si, 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 si. En fait, pendant toutes les semaines de cours, c'est bon, tu me crois. Ouais, je crois que ça va être ça, oui, oui. Chaque semaine, ça sera une saison. Du coup, là, on est au chapitre 1, saison 5. La semaine prochaine, on va être du coup au chapitre 1, saison 6, 7, 8, 9 et 10. Et quand on sera arrivé au 10, normalement, bah on passe au chapitre 5 apparemment. À ce que j'ai pu entendre. Mais bon, soit on passe au chapitre 4, du coup saison 6. Mais du coup c'est pas possible parce que là nous sommes au chapitre Fortnite saison, bah du coup, chapitre 1 saison 5. Donc bah, je ne sais pas. Bon, je pense que ça va se clôturer sur un nouveau chapitre. Mais bon. On verra ça. Et normalement aussi les amis, petite opération, j'ai bien dit normalement, vendredi, petite opération BM5. J'ai bien dit normalement, c'est pas sûr. Parce que elle n'est pas encore passée. Et comment dire, c'est que maintenant, tous ceux qui font des CNRP sur BM5 sont tous partis sur Fortnite pour voir du coup toute la map. Oui, je parle aussi de mon cas. Que du coup le pass de combat est repassé comme à l'époque sauf avec plusieurs modifications, plusieurs changements de style, de décor, tout ça. Et comment dire que je suis déjà niveau 50. J'ai déjà terminé le pass de combat. Maintenant je suis au 52 d'ailleurs. Voilà. Du coup voilà. Ça passe très très vite, surtout on passe chez les levels en un claquement de doigts. On fait que des games, on fait les quêtes
sans les vouloir. Et des fois c'est voulu. Mais la plupart du temps c'est pas voulu. Et non, voilà les amis. Voilà. Par contre, tu peux juste accélérer le mouvement, ça pourrait probablement m'arranger là quand même. Quand il y a un truc qui commence à me faire chier, ou plutôt qui veut me faire chier, généralement, il se soulève jamais. Normalement. Généralement. Ah putain, mais j'ai câblé. Allez. Voilà, c'est nickel. Les amis, on est reparti du coup pour direction l'aéroport et trouver du coup deux véhicules blindés. Épave. Putain, je vais juste regarder c'est quoi le BA20 pour voir juste hein, vite fait. Bon, téléphone au volant, c'est pas ça qui est mieux. Même pas du tout mieux. C'est ça, une automitrailleuse. D'accord. Automitrailleuse russe. La vache. D'accord, d'accord. Bah, je viens d'apprendre du coup, c'est qu'est-ce que c'est le BA20. Bon, en fait, ils ont pris une voiture, ils ont mis une toile dessus. Quoi. De toute façon, si on retrouve les épaves comme ils le présument. Attendez, non, j'ai mal lu. Livrer les épaves. Livrer à l'aéroport, épave BA. Je les trouve où, moi, t'es... Attends. Attends, monsieur, attends, attends. Encore à cause de ma dyslexie, c'est que je ne lis trop vite. Où sont... ces putains d'épaves, du coup. S'il faut que je livre, ils sont bien à un endroit. Vous avez retrouvé deux véhicules. Non, je les ai pas retrouvés, vu que je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens arriver à l'aéroport, je vais bien péter une durite. Je ne sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi, j'ai une intuition comme ça qui me dit, tiens, je vais bien péter un câble. Surtout quand il faut que je livre deux épaves que je ne sais pas où elles se trouvent. Parce que je l'ai trop vite. Putain. L'aéroport. J'ai peur. Avoir vu un hélicoptère, un avion, j'ai rien vu d'autre. Hein. C'est une remorque. Et bon, je crois que la remorque ne fait pas trop partie de d'un BA20. À moins que, vu que là, je vais débloquer ce truc-là, les BA20 sont sur la remorque. Et là, si je peux te dire, ils sont sur la remorque et j'ai rien pour les tracter, je câble. Et là, au cas où, ça se fait pas, clairement. S'ils auraient quand même pu prévenir au cas où. Et ils ont juste demandé hein, les trucs métalliques, là. Du coup, ce qu'il y a sur le BM-17. Ils ont juste demandé ça. Ils ont rien demandé d'autre. Et là, il faut que je livre deux trucs à la con, que je ne sais pas où se trouvent ces deux trucs à la con. Putain, ils ont pas pu mettre 12 vitesses là-dessus. Ça fait une grosse bavure de vitesse, mais bon. M'en fous. Bah t'es 12 vitesses, ou même 16. Voilà, c'est surtout pour le couple, là, mais bon. Je ne cherche pas du couple, je recherche de la puissance. Et quand, seulement, quand je suis bloqué, je recherche du couple. C'est ça que mon micro n'a pas bugué quand des fois je approchais ma main.
Putain, ça va faire mal. Malheureusement. Allez, go. Ce qui est bizarre, c'est que là, je sais pas si le Benny va réussir à passer. Tiens! C'est bizarre! Ça commence déjà à me faire chier! Putain, châssis! Ah, d'accord, ok. Je vais me faire grandir. Mais bon. On a tous vu ce qui s'est vraiment passé. Bon, le trou, il va me casser les couilles. Ça, je le sens bien comme ça. Je peux passer par là? Non, si, si. Non. Je vais me faire foutre, j'ai compris. Aïe, putain. Ah, en tout cas, je me suis pas enfoncé directement dans le truc. Allez, t'as vu. Ah, tu fais pas chier. Normalement, j'aurais pu rien avoir parce que la route à deux endroits, j'ai de la neige. Sinon, normalement, je n'aurais pu avoir de galère. Sans compter ce qu'il y a devant, bien sûr. Ceci, ça s'appelle gruger. Totalement. Mais dis-moi qui passe. Putain! C'est l'autre con qui passe pas! Non, oh, il y en a. Je vais te niquer. Merci. Non, par contre, là, c'est bon, ça se vient. Voilà. Bien sûr, c'est lui maintenant qui se prend les dégâts, et pas moi. Pourquoi c'est toujours un des deux véhicules qui se prend les dégâts, pas les deux. Ou pas surtout celui qui roule. Ouais, ça soit celui qui soit tracté. Écoute, j'allais avoir des dégâts encore. Du coup, nous sommes à peu près quoi? 900 mètres? À peu près, à vol d'oiseau, bien sûr. À peu près, je pense. Maintenant, on va vérifier ça. Je vais juste me mettre, voilà. Tiens. 796 mètres. Encore plus bas que je le pensais. Non, je vais tomber. Bon, on croit. Maintenant, ça va encore. Ça va juste passer sur les rochers encore. Bon, je suis pas bloqué par rien du tout.
Mais bon. Allez! Ouais. Ça, nous sommes sortis de cette affaire-là. J'en avais une idée. Oh, de faire le tour. On va passer directement par là. J'arriverai directement au truc du pont. Putain, pourquoi j'ai pas aussi la con. Comme par hasard, on ne voit pas de dégâts. C'est bizarre ça. Oh. Première fois que je tente ça. Aïe 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 aïe. Putain, il a suivi l'autre. Allez, on monte. Salut. Les amis, surtout n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, l'abonnement à la cloche, notification pour toujours plaisir. Rejoignez sur le Discord. Et si vous voulez faire des CNRP avec nous, putain, j'ai oublié de tourner. Vous êtes le bienvenu, tant que vous respecterez les règles du serveur. Et putain, y'a. Ah, c'était juste de l'ombre, c'était. Ok, d'accord. D'habitude, les Américains sont ingénieux. Là, bon, on peut pas dire qu'on peut pas dire des fois que c'est le contraire, sauf que là, c'est le contraire. Mais la route est là. Bon, il les rejette, mais la route est là. C'est trop risqué. Allez, putain. Je peux faire le tour, je vais directement aller comme ça, parce que sinon ça va être très très long encore. Et il ne faut pas perdre de temps. Alors, comment vais-je péter une durite? Décharger. Ah! Je crois que je vais me les faire. Rectification, plusieurs de dépôt. Je crois que je vais bien me les faire. Tu veux que je te les foute où? Dans le cul, dans la gueule? Tu veux que je te les foute où, tes véhicules? Excuse-moi, il n'y a rien sur toute la map.
Les amis, pour l'instant, on se dit à tout de suite, je vais regarder sur internet parce que là, il n'y a aucune trace des épaves nulle part. Du coup, je vais directement regarder parce que je ne veux guère perdre du temps. Du coup, non, j'ai pas demandé de faire ça. Merci, mais bon, voilà. On se dit à tout de suite, les amis. Alors, les amis, j'ai. Regardez. Où il se trouve. Alors, il y en a un qui est là. Du coup, le truc que vous voyez là, c'est ça. Et un autre qui est là. Donc, je sais pas comment ils ont réussi à foutre des putains d'antimitrailleuses là-haut. Mais tout, la seule chose que je sais, c'est que moi je suis niqué, du coup je dois changer de véhicule parce que du coup je dois le transporter en plus avec une grue. Du coup, le Goliath et le BM-17, déjà je vais pas prendre le BM-16, je vais en prendre un autre qui est plus puissant et surtout qui a plus de couple que celui-là. Et du coup, les amis, on se dit à tout de suite pour du coup. Bah. Sur la route, on se dit à tout de suite du coup. Re les amis, du coup, voilà, nous sommes sur la route en direction de l'aéroport, puis ensuite des BC20, des BA20. Du coup, j'ai pris, du coup, j'ai repris le Goliath avec une grue lourde et j'ai pris un Voron parce que il gère largement mieux dans la neige par rapport au BM-17. Du coup, voilà. Mais sauf qu'on a eu un petit souci sur la route, c'est que là le Voron n'a plus d'essence, lui manque un pneu et a un problème de suspension, un très gros problème de suspension. Du coup voilà pour l'instant ce qui nous handicape et maintenant il me fait chier parce que du coup je ne peux pas le démarrer vu qu'il n'y a pas d'essence. Donc bon, il est sans school même si j'en mets, donc ça sert à rien. Du coup, bah, je continue ma route jusqu'à ce que j'arrive au garage, pas au garage, mais à station de remorque. Arrivé à station de remorque, je peux le réparer et lui remettre de l'essence à fond. Pareil pour moi. Bon, moi, ça sera surtout pour avoir de l'essence, mais bon. Mais voilà. Du coup, ouais, je vais faire la même chose que j'avais fait tout à l'heure, je vais gagner beaucoup plus de temps. Ah bah non. J'ai fait le tour, je parie. Bah, quel connard je suis, j'ai fait le tour, j'aurais pu faire ça. Quel connard je suis. Donc j'ai pas été bloqué, mais bon. Allez, s'il te plaît, on peut.
Par contre, ça devient chiant et très lent là. Pourquoi ça veut pas que accélérer la merde? Accélère, fais pas chier. Merci. Me faire chier en plus. Avec toi, t'as plus d'essence, plus d'essence, ça peut rien. Et en plus, il faut déjà en plus déjà que je le tracte. Pas que c'est chiant, mais c'est chiant. Là, on est bien parti. Enfin, pour l'instant. T'entends pas tout ce que je te demande de pas t'entendre et pourquoi j'accélère pas hein? Ça tombait. Ah c'est bon je roule. Ah ça m'a saoulé. Ah d'accord. Je vais pas accélérer. Vu que j'ai ça à passer, je vais y aller tranquille. Sans souci. Si. Qu'est-ce qui me casse les couilles en fait? Allez, non. Ouf. J'ai cru qu'avec la grue j'allais toucher, mais en fait non, je ne l'ai pas touché. Déjà que je suis hyper lourd avec la grue. Plus que je dois le tracter. Ah, puis.
Ce truc que je ne sais pas, c'est que est-ce que je peux prendre une remorque avec la grue que j'ai? C'est surtout ça que je me pose comme question. Parce que vu que l'arrière ça dépasse, je sais pas si une remorque je peux la prendre. C'est-à-dire, tu m'aides pas là, le Voron là. Clairement, là, tu m'aides pas là pour l'instant. Tu peux rouler mon petit. Hein. Tu veux me casser les colonnes, Escablon? On est bien arrivé, donc ça va aller. Après, ça sera derrière putain de ligne droite avant le B. Le BA10. BA10. PA20, putain. Allez, je suis fatigué. Ouais, là, nickel. Allez, on va encore bouger comme tout à l'heure. Nickel. Allez, du coup, le garage va être bientôt à gauche. Déjà, si le Goliath veut bien retourner sur la route, ça m'arrangerait fortement. Et ça va faire moins chier le Voron apparemment. Vous les gueules déjà du fait. Ça c'est pas gagné. Déjà ça. Je crois que là, il y a un bien besoin. Voilà. Ah mais je ne peux pas réparer notre véhicule. Putain de sa mère, ça me casse les couilles. Ça me sert à rien. Si je peux pas réparer l'autre. Ça sert à quoi? Je vais mettre un peu d'essence.
Ah, c'est mieux. Déjà lui. Et à lui. Merci. J'ai un V8. Ça, c'est pas mal. Allez, on repart. Voilà, on va rester tranquille. Oh non, 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 non. Putain, j'oublie un truc. J'ai déjà passé avec le Goliath. Donc je vais te lâcher là. Du coup, ça le concerne, mais pas moi. De prendre sa marque pour transporter les BA, c'est mieux, je pense. Putain, la marche arrière là-dessus, c'est pas ça, c'est pas sans faire la marche arrière. D'accord, c'est une collection de ça. De base, je voulais prendre le western. Sauf que trop de véhicules au même endroit, ça fait pas bon ménage. Du coup, je vais prendre un peu d'essence. Trop. Attends, je fais ça. Ça, j'engage pas. Comme ça, c'est mieux, je pense. Voilà. Du coup, allez. Je vais me mettre là comme ça, le Goliath va me tirer. Je vais être tranquille. Voilà. Il fait déjà jour. Oh, putain. C'est un miracle. Ouais, c'est bon.
Oh non, 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 ne fais pas ça, toi. Ce chemin, c'est similaire à celui que j'ai pris il y a quoi? Même pas une heure? Avec le même véhicule à l'avant et pas le même véhicule à l'arrière. C'est bizarre quand même. Putain, ça me saoule. Pourquoi ils peuvent pas prévoir qu'est-ce qu'il faut à l'avance? Ah non, si, ça fait ma faute parce que je lis trop vite. Et j'ai pas compris le mot livré. Si, je l'ai compris. Mais mon cerveau n'a pas pris ce détail-là en compte. C'est le problème que j'ai. Malheureusement. Enfin, des fois, ça dépend côté des choses. Parce que vu que j'ai aussi une mémoire photographique, bah, je me souviens de plein de choses. Ah! Ma photographique, ça aide pour les choses qu'on aime, pas pour les choses qu'on n'aime pas. Ça, c'est le seul problème que j'ai. Moi aussi. Les choses qui me plaisent, j'arrive bien à m'en souvenir. Les choses qui me saoulent, oh, comme par hasard, je l'ai très très vite. Comme par exemple, les choses qu'on est en train de voir là, nous, en maths. On n'a pas vu depuis la 4e, 5e, ou en tout cas début 4e, et que là je suis en train de voir en seconde, en première, pardon. Sauf que ce qui va me servir à rien dans le métier que je veux faire. Donc bon, voilà quoi. M, j'arrête pas de répéter au prof, ça va me servir à rien. Il dit, mais oui, je le sais, mais si, je suis obligée de le faire. Ah d'accord. Et moi par contre, je suis obligée d'assister au cours. Compliqué, ouais. Ah bah tiens, mon chat qui fait tomber mon téléphone par terre. J'avais entendu. Oh, oui, c'est mon chat. La campagne partout là où je vais. Mais ça peut encore, mais sinon là, je crois qu'on. Bon, voilà. Du voron. Qu'est-ce qui s'appelle? Faut prendre un bon coup mûr dans la gueule. Même si c'est pas le mieux, c'est la route. Ouf, vache. Ou si ça s'appelle aussi manger le sol. Ah bah je peux te dire, je peux même te confirmer, il a bien mangé le sol. Et la gueule qui est là.
Aïe. Ah non, pas de dégâts. Nickel. Est-ce que les amis ont fait exactement le même trajet qu'on avait fait? Voilà, je vais rester aux bordures et pas, voilà, pas me mettre au milieu. Là, je passe sur le pont. Voilà. C'est pas ça, moi. Aïe. C'est exactement qui est ce truc là con. J'en ai un qui est là. J'ai l'autre qui est là. Je vais rester là. Et après je vais faire le trajet. Donc là. J'ai envie de camion au rond. Je vais pas faire ça, mais... Et j'y vais. Du coup, par exemple, il faut d'abord que je les analyse pour les voir. Et après... que je remets le Goliath pour qu'il est pour qu'il échoppe. Attends, avant que je me force une merde totale. Putain, c'est là. Et je me demande comment un véhicule avec des pneus de 10 pouces a réussi à passer ça, quand même. Je dis ça, je rien. Mais bon. Le véhicule, il a des pneus de 10 pouces, la automitrailleuse de merde. Une 10 pouces, c'est 10 cm, les amis, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est déjà moi avec les pneus, c'est des 30. Ouais, ou des... ouais, 30. Mais non, plus, je suis con, c'est des pneus polo. Hein. Déjà, ouais, 30 ou 35, 40 même. C'est limite galère. Alors lui, avec des pneus de 10, il est arrivé là. Il s'est foutu là, plutôt. Tiens, t'as entendu trop de mes couilles là.
compliqué. Ce que je voulais savoir, est-ce que je pouvais le tracter? Non, je ne peux pas le tracter. Du coup, il faut vraiment que j'emmène le gros jusqu'à là. Enfin, si le gros peut faire les choses. Là, je ne sais pas encore. Je vais faire demi-tour. Et aller voir l'autre pour le détecter. Voilà pourquoi je vais prendre ce véhicule. Ce véhicule-là, avec toute la NFIA, ils sont pas totalement les couilles. Je vais descendre là, je vais remonter par ici. Ou sinon, ils seront par là. Je sors de où? Nickel. C'est... ça va, je galère pas trop. Déjà avec le BM7, j'aurais totalement galéré. Je vais pas avoir des bugs de calage. Comparé quand je suis en première vitesse. Tiens, je devrais aller. Ah, effectivement, ça je confirme, ça c'est une épave. Ça, il s'est fait exploser la gueule. Je peux tenter de le pousser? Bon, non, c'est bon. Du coup, voilà. Et le Goliath, normalement, va s'en charger. Bah. Pas de sol. Voilà. Je vais d'abord aller chercher celui qui est en haut. Et il est plus simple que celui qui est là-bas. Je vais déjà descendre dans la gauche, non? Un rocher? Ouais.
faire de mon tour. Comme ça sera plus simple. Le sens pour repartir. Voilà, allez. Je vais faire directement cette carte. Bon bah les amis, c'est une fin de vidéo, on va continuer la prochaine fois. Non ! On va continuer la prochaine fois, il est juste à côté, voilà, c'est pas grave. On se dit du coup à mercredi pour une toute vidéo sur Fortnite. Allez, ciao les amis !